pas dire que c'est forcément quelque chose. On va les vérifier avec des biopsies. Donc on va effectuer des biopsies sur toute la prostate, mais surtout dans cette zone qui a été visualisée à l'IRM. Une biopsie, c'est une intervention relativement simple qui se fait en anesthésie locale pour un patient qui est ambulatoire. Donc ça dure au total environ 20-30 minutes, y compris la préparation. Il faut simplement une sonde endorectale avec laquelle on peut visualiser la prostate. On utilise les images IRM pour pouvoir cibler les zones suspectes à travers l'échographe. L'examen n'est pas en soi douloureux, c'est surtout inconfortable la position du patient ainsi que la technique d'examen.